Et je demande au peuple congolais de se réveiller rapidement. Il faut vite se réveiller. Sinon, nous serons esclaves des Rwandais et des autres et des, des Ougandais. Nous devons nous battre pour être libres. Il ne faut pas avoir peur de la guerre. Heureusement que nous avons un chef de l'État qui est très clair. Nous allons faire cette guerre. Il y a la volonté. On négocie avec des hommes forts, avec, avec, avec des faibles. C'est une leçon à donner à tous ces gens, ces jouisseurs qui passent tout le temps à discuter pour des petits postes. La guerre est à nos portes. Il faut se préparer, préparer notre peuple, notre armée, nos médias pour accompagner les chefs de l'État. vous savez, euh, les 80% du coltan mondial se produit à Urubaya. À Urubaya, tout à fait. À Urubaya, c est, c est... où se trouvait l'entreprise de Manga Chuchu tout à fait. est installée. Et Manga Chuchu a eu euh, les, donc, euh, ses mines gratuitement parce qu'il était à la tête de CNDP, il mmh. était dans RCD. Mmh. Donc Mangachuchu est en prison. Maintenant, ceux qui voulaient avoir du euh, minerai gratuitement, l'ont plus. Voilà pourquoi vous avez vu euh, Rio, Rio Tinto. Rio Tinto, c'est une entreprise minière, une société de minière, qui est partie signer des accords avec Kagame, des accords sur l'exploitation de lithium. Or, Kagame n'a pas de mine chez lui. Et c'est une information aujourd'hui que nous nous relevons c'est là parce que beaucoup de médias n'en parlent pas. Et même, même les pas autres autres médias, les hommes politiques, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs, en sont en ailleurs coup, ils sont dans des, des, des postes qui, qui visage Vous n'avez pas de vous avez, vous avez des mercenaires. C'est la réalité. Nous allons passer par une guerre patriotique. Qu'on l'éveille ou non. La fait faite ainsi. Et je demande au peuple de ne pas avoir peur. La guerre patriotique va nous libérer. Monsieur Félix Moulumba, moi je veux montrer aux spectateurs cette photo. Voilà. Et je veux vous montrer cette personnalité politique. Or, oh, quel souvenir que vous gardez du sphinx de l'unité, le docteur Étienne Pissaké à Moulumba, sept ans après sa mort. Vous savez, on a eu la chance d'accéder à certaines informations. Il y a deux événements importants qui doivent marquer la mémoire culturelle de notre peuple congolais. Et tel que c'était dit était le premier ministre, Mobutu l'avait chassé. les téléspectateurs de Congo Live Télévision nous voici encore pour ces nouveaux numéros pour vous informer sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo comme vous le savez le chef de l'État a réuni en échange de vœux avec les corps diplomatiques là où il a parlé à cœur ouvert et il a dit qu'il ne va jamais jamais négocier avec le, le Rwanda ni avec le mouvement euh, terroriste les rebelles de M23 aussi longtemps que le chef de l'État a réuni et les corps diplomatiques. De l'autre côté, Paul Kagame eh, signe ces contrats que nous allons développer eh, durant cette émission. Est-ce sa réplique eh, du Paul Kagame au chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo Parce que nous le savons, que le chef de l'État, après avoir dit qu'à moindre escarmouche aujourd'hui, eh, le Rwanda a répondu. Est-ce que c'est une réponse à corps Ce sont des questions que nous allons essayer eh, de poser l'invité que nous recevons aujourd'hui. Eh, et il a promis de, de parler à cœur ouvert, de répondre, de dire des vérités avec des preuves. Et comme vous le savez, pour cas d'année, avec les rebelles de M23, ont bombardé Mouessou, là où nous avons vu 19 victimes. Est-ce tout cela Les Occidentaux sont derrière pour préparer la balkanisation de la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler avec notre invité parce qu'aujourd'hui, ça sera à cœur ouvert aujourd'hui, ça sera en pleine vérité. Et comme vous le savez, nous travaillons pour vous informer et de vous dire tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, même dans la question sécuritaire. Il est, il était l'ancien directeur général de la RTNC, directeur général du journal Le Potentiel, directeur général de Télé7, écrivain, chercheur, analyste politique. Nous sommes encore avec M. Freddy Moulumba, avec l'honneur de le ré se voir et de parler à cœur ouvert sur la question et les enjeux de l'air, surtout que l'actualité est en vogue. Paul, Paul Kagame menace-t-il la République démocratique du Congo après les dires du chef de l'État Nous allons savoir cela avec M. Frédéric Moulumba. Bonjour. Monsieur. Bonjour, cher ami. Déjà, euh, la situation euh, politique et sécuritaire, euh, l'actualité virale en la République démocratique du Congo. Déjà, l'entame de cette émission, avant euh, d'aborder les thématiques énoncées, et comment vous analysez et la situation politique de l'air oui, Je pense que nous passons une période d'imitation géopolitique sur le plan international, mais aussi une situation où l'État tel qu'il a été construit ou bien imaginé par le monde occidental s'est effondré. La fois dernière, je vous ai dit qu'il y a d'abord l'État colonial. C'était fondé avec le départ des Belges. Il y a eu un vide étatique. Il y a eu un deuxième État, État patrimonial, qui a été construit par euh, le président Mugutu, le maréchal. C'était fondé avec l'arrivée de la FNEL. Maintenant, nous sommes dans un vide étatique. On est en train de voir comment reconstruire un nouvel État, réinventer un nouvel État, mais qui est très proche de notre propre peuple. Mais ce qui est un peu, euh, un peu spécial, c'est en ce sens que ça coïncide. limitation géopolitique internationale sans précédent où il y a des anciennes puissances coloniales, et les nouvelles, pardon, des puissances occidentales, des nouvelles puissances émergentes qui s'affrontent. Entre-temps, chez nous, la structure de l'État, l'État s'est effondré. Donc, nous sommes dans une situation un peu très complexe qui exige beaucoup plus de recherche, beaucoup plus d'intelligence stratégique pour réinventer un nouvel État qui va, va s'insérer, dans cette nouvelle géopolitique du XXe siècle, où nous entrerons peut-être dans un monde multipolaire, où l'Amérique ne sera plus le seul à avoir les monopole ni de l'argent ni de la violence, où la Chine vient avec une autre vision du monde qui n'est pas celle de faire des guerres, mais par contre celle de faire la paix, de résoudre toutes, toutes, toutes les questions par rapport à la paix, par rapport euh, aux intérêts des uns et des autres. Donc la vision chinoise qui affronte la vision occidentale, et américain. Donc, dans cette situation-là pour le moment. Alors, M. Freddy Moulumba, vous qui combattez pour euh, la balkanisation de la République démocratique du Congo, <coughs> vous avez dénoncé cela, vous avez fait euh, de cela votre cheval de bataille. Aujourd'hui, le chef de l'État a réuni euh, les corps diplomatiques, parce que nous les savons à travers euh, nos, nos sources, le chef de l'État a réuni d'abord dans son cabinet, dans son bureau, les hauts représentants euh, Diplomatique Là où ils ont parlé, et cela découle qu'ils ont proposé au chef de l'État, Félix Antoine Chiseguet-Chilombo, de négocier. Et après, le chef de l'État est sorti, venant en présence de tout le monde dire devant l'auguste Ensemble qu'il ne va jamais négocier, il ne va ni négocier avec le rebelle de M23, ni avec le Rwanda. Cette attitude. Je pense qu'il faut rappeler ici le discours du président dit depuis qu'il est au pouvoir. Euh, en 2020, il a fait une déclaration concernant euh, la menace d'imposer du pays. Il avait dit clairement qu'il ne pourra pas céder même pas un morceau, un centimètre du pays. Il faut se rappeler la fois dernière, euh, donc c'était euh, devant les ambassadeurs l'année dernière, là c'était le même discours. On ne cédera pas même un petit morceau de terre, d'un territoire congolais. On ne va pas discuter avec des bandits qui ont tué le Congolais. Mais dans tout ça, euh, ce que moi je trouve un peu anormal, hein, de notre côté, peut-être c'est normal chez les autres, c'est de voir que euh, M. Kagame, les Rwandais et l'Ouganda ont fait un génocide au Congo. Plus de 10 millions de morts. Il y a 7 millions de déplacés internes. Comment les gens qui viennent vous parler de la démocratie, des droits, peuvent demander aux victimes de négocier avec les bourreaux Ça signifie quoi Ce n'est pas Kagame qui nous fait la guerre. Ce sont des multinationales, des entreprises qui nous font la guerre. Ce sont ces entreprises qui étaient à la base de la guerre de la fidèle. Tout à fait. Et ces entreprises tirent leurs origines. De 1885, à la conférence, la conférence, la conférence de, de, Berlin, de Berlin en oui. Allemagne. Donc, pour ces gens, les intérêts, les minerais du Congolais leur appartiennent. Ça au Congo. Donc, les morts de Congolais et les placés intérêts du Congolais, ça ne l'air du rien. Je pense que c'est un message que les Congolais comprennent. Je pense que le président a compris. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire la guerre. Tout à fait. Parce que l'histoire montre que si vous êtes. En guerre avec quelqu'un, avec une, une puissance ou bien un État étranger qui occupe vos territoires. Mais si vous ne parvenez pas à les chasser du territoire et vous acceptez les négociations, donc vous allez négocier la cession du territoire à ces pays qui a gagné la guerre. Je prends l'exemple aujourd'hui de la Russie et de l'Ukraine. La Russie occupe euh, des territoires euh, ukrainiens. Et dans ces territoires, sont sous maintenant, sous compte de Russie. Ça signifie quoi L'Ukraine sera obligée de négocier avec la Russie. Comme elle n'a pas gagné la guerre, automatiquement, la Russie va négocier pour garder ces territoires-là. Parce que vous êtes incapable de récupérer, de récupérer les territoires. Et les gens doivent savoir aussi que dans l'histoire de la construction ou bien la naissance de, 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 des États, dans l'histoire, ce sont des guerres qui décident de la construction ou bien la disparition des États. Après avoir fait des guerres, ceux qui vont gagner, vont retoucher les frontières, ne perdent pas. Ceux qui vont perdre. Et on a tendance à oublier aussi. Il y a des peuples qui ont perdu tout. Je vous prendrai les peuples kurdes. C'est un grand peuple, mais jusqu'à aujourd'hui, les Kurdes n'ont même pas un État. Ils sont tirés entre la Syrie, euh, l'Iran, la Turquie, je pense aussi l'Irak. Ils sont dispersés. Alors c'est un grand peuple. Si ce peuple était bien organisé, il pouvait avoir un état. Autre chose, l'histoire nous montre que quand il y a des peuples nomades qui se déplacent, ils occupent les terres. Jamais ce peuple se retire Donc la seule façon de faire de récupérer les territoires, la seule façon de de, 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 quoi dirais, de faire partir ces gens de ces territoires, c'est de faire la guerre. La guerre, c'est une chose de normale. Moi, je suis étonné d'entendre le cardinal Abongo dire non, il faut la paix. Donc, vous allez faire la paix pour ces deux notaires? Nous, nous, allons, nous allons revenir parce que euh, la, la grande question est de savoir aujourd'hui mmh. cette motivation du chef de l'État. Parce qu'il a repris ça durant son, son discours. Il a repris ça à trois reprises. Il a dit euh, devant les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, le président euh, Félix Antoine Tshisekedi affirme qu'aucun dialogue ne pourra intervenir avec le Rwanda tant qu'il occupera une portion de notre territoire. Nous n'accepterons aucun compromis quel qu'il soit. Là, euh, c'était dans la première paragraphe. Mais deuxième, il, dit, il a dit, Est de la République démocratique du Congo, devant les corps diplomatiques à Kinshasa. Euh, Félix Tshisekedi tu insiste sur des sanctions ciblées contre les responsables du M23 et leur appui rwandais pour décourager euh, la rébellion. La dernière, il dit Mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, euh, quel qu'en qu soit l'étendue. Une portion de notre territoire a prévenu les chefs de l'État congolais au corps diplomatique, parce que nous les savons que ce sont euh, des boucs émissaires de ces euh, pays, de ces États ou bien de ces présidents euh, qui convoitent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est -ce, déjà une victoire pour la, euh, la République démocratique du Congo, parce que c'est porté par le numéro un. Parce que c'est lui qui conduit la destinée de la République démocratique du Congo pour ses deuxièmes mandats. Et au début de ses deuxièmes mandats, cette détermination affirme une victoire déjà en avance. Non, nous sommes dans un processus de la guerre de libération. Cette guerre de libération, euh, faite pour récupérer nos richesses, nos minéraux, qui, depuis 1885, appartenaient euh, au aux au terrestre occidental. Maintenant, nous sommes dans ce processus-là, c'est ce processus que le président porte. Donc, cette nouvelle guerre de libération pour, euh, comment dirais-je, l'indépendance économique. Tout à fait. Donc, donc son discours tourne, tourne autour de ça. Mais aussi, il faut aussi euh, euh, relever ici, Kagame était au Bénin. Il dit le problème, ce n'est pas M23. Le problème est que le Congo. A... Donc, il, y a des terres, il y a des territoires mm. rwandais au Congo. Donc, en disant qu'en 1885, mm. les royaumes le Royaume rwandais mm. avaient des terres au Congo. C mm. Ce qui est faux. Aucun document historique ne l'a. Et la vraie version, c'est quoi Aucun document historique trou... non, non, ne, 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 ne prouve pas ça. C'est faux. C'est un faux discours. Kagame n'est ni historien ni intellectuel. Kagame n'est pas intellectuel. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un historien, ce n'est pas même. Ok. On pas dans ça. <laughs> Mais ce qu'il faut euh, relever ici, c'est quoi Là où Kagame a des ambitions, c'est au niveau des Massissi, euh, au niveau de Uruchuru, Walikale. C'est là où il y a des, 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 des minerais stratégiques. Donc, pendant les 20 ans de la guerre, il avait occupé ce territoire. Ils exploitaient des minéraux et les multinationales occidentales ont placé leurs usines de transformation à Kigali et leurs banques à Kigali. À Donc, l'armée rwandaise exploitait les minéraux, on vendait ces multinationales, ils, trans... ils pouvaient trans... transformer et les vendre en Chine et ailleurs. Donc, ce n'est même pas les Rwandais qui gagnaient, c'était Kagame avec ces multinationales. Maintenant, mmh. l'arrivée du président Tshisekedi a remis tout en cause. On a commencé à contrôler. Et maintenant, les multinationales sont un peu débordées. Et quand Kagame vous parle des de terres qui s'occupe, donc des de terres, de terres rwandaises au Congo, ça signifie là où il y a des minéraux stratégiques. Donc, je reprends, Walikale, mmh. euh, Ruchuru et Munaganda. Tout à fait. Et vous savez, euh, les 80% du coltan mondial. S'est produit à Roubaïa. À tout à fait. À où se trouvait l'entreprise de Mangachuchu. Tout à fait. Elle est installée. Et Mangachuchu a eu euh, les, donc, euh, ses mines gratuitement parce qu'il était à la tête de CNDP, Il mmh. était dans RCD. Mmh. Donc Mangachuchu est en prison. Maintenant, ceux qui voulaient avoir euh, du minerai gratuitement l'ont plus. Voilà pourquoi. Vous avez vu euh, Rio, Rio Tinto. Tout à fait. Rio Tinto, c'est une entreprise minière, une société de minière qui est partie signer des accords avec Kagame, des accords sur l'exploitation de l'éleutium. Or, Kagame n'a pas de mines chez lui. Mais c'est ça aussi la grande question que, eh, que le Congolais se pose. Parce que déjà, eh, nous prenons ça dans l'autre sens. Parce que est-ce c'est -ce une provocation aujourd'hui eh, pour la République démocratique du Congo Parce qu'avant d'en arriver eh, à ces contrats que nous allons développer à l'eau et à large, Paul Kagame, euh, c'est clair parce que les données qui sont à notre portée, c'est clair que Paul Kagame a bombardé Mwesso parce qu'il y, y a eu des journalistes de l'Est de la République démocratique du Congo menant les investigations, ils ont compris que le commandement venait chez un d'une du, personne de cabinet de Paul Kagame, et si c'est un des person, de, de personnel de, du cabinet de Paul Kagame, c'est-à-dire que l'autorisation est venue du Paul Kagame, alors aujourd'hui, est-ce une provocation Parce que nous avons vu et, ces bombardements, 19 non. victimes mortes. Non, non ce n'est pas une provocation. Je pense que... Les Congolais doivent se préparer à une longue guerre. Et je reprends ici ce que Mouze Kabila avait dit avant son assassinat. La guerre sera longue et populaire. Je pense qu'ils ont le sens de l'histoire, doivent remettre ça dans leur tête. Ce qui se passe avec ce que tu dis, nous sommes dans un processus d'une troisième guerre mondiale. Les papes parlaient guerre mondiale en morceaux. Donc, aujourd'hui, vous attendez l'Amérique va attaquer l'Iran. Vous attendez le Yémen, la Chine. Donc, nous sommes dans un processus de la guerre. Donc, tous les peuples qui ne sont, sont pas préparés pour faire la guerre vont perdre leur indépendance et leur autonomie. Parce qu'après cette guerre mondiale, qui, ça peut prendre n'importe quelle forme, après cette guerre, il y aura le nouveau partage du monde entre les gagnants et les perdants. Donc, je pense que c'est le moment aujourd'hui. Que les Congolais comprennent. Nous devons faire cette guerre de libération pour avoir notre indépendance économique. Parce que nos amis occidentaux étaient habitués à prendre nos matières premières gratuitement. Maintenant, il faut les contraindre à les acheter. Nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays non africains où les, 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 les occidentaux vont acheter les matières premières et les prendre gratuitement comme chez nous. Donc, c'est chez nous maintenant de créer, de créer un rapport de force. Créer un rapport de force aussi longtemps que euh, le cardinal Ambongo, réuni ensemble avec euh, les évêques de Burundi et du Rwanda, le cardinal Ambongo, congolais qu'il est, il demande euh, à ce que la République démocratique du Congo puisse négocier aussi longtemps que vous, vous demandez euh, que nous puissions aller en action. Le cardinal Ambongo, c'est un prêtre. Il est, il, est, il est publie plus, plus la Bible, mais en politique, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de religion. C'est une question d'intérêt et de rapport de force. Ça, la géopolitique. On ne met pas la région dans la politique internationale. Entre États, c'est question d'intérêt. Les guerres, ceux qui font d'ailleurs des guerres, sont les premiers à avoir la Bible en main. Il a motivé pour avoir la paix parce que euh, Jusqu'à là il n'y a pas de paix. C'est la paix. Est, jusqu est là, faute. Et... C est, c est, n est encore entre les mains de. C'est la, 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 la faute. C'est la faute qu'on commet. Je te dis ici, il y a tout un processus. Nous entrons dans un processus de la Troisième Guerre mondiale. Ça, j'ai commencé. Pourquoi il y, trois, il y a la troisième guerre mondiale Il y a un, un Français qui avait déjà prévu ça, juste après la crise économique et financière de 2008. Il a fait une certaine comparaison. Il a dit, il a écrit, en, 1800, en 1930, il y a eu la crise financière économique internationale. Pour sortir de la crise, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait une deuxième guerre mondiale. Donc les capitalismes, après, pour sortir de la crise, doivent faire des guerres pour casser et puis reconstruire. Il a dit aussi que le, la crise 2008, la crise financière 2008, avec l'Atlantique Occident, donc en Amérique et en Europe, et aussi au Japon, c'est la matrice d'une troisième guerre mondiale. Donc on les vit aujourd'hui. Donc pour que l'Occident, le capitalisme occidental sorte cette crise, on doit nécessairement passer par la guerre. C'est ainsi. Donc il ne faudrait pas que les Africains et les Congolais en particulier soient des naïfs. Nous devons nous préparer déjà psychologiquement à une période très difficile. Et si nous ne prenons pas beaucoup de précautions, on va encore le payer. Est-ce que le cardinal Mbongo mène un combat contre la République démocratique du Congo Donc, en tant que prêtre, il n'a qu'à dire ça. Il ne peut pas demander à aller faire la guerre. Mais lui-même sait. Le cardinal était à Nituri. Il a visité le nord et le sud de Kivu jusqu'à Nituri. Il a vu l'évêque de Bougna. Il avait fait l'homélie. Le cardinal était présent. Que on est en train de chasser le Congo et leurs terre pour installer les Rwandais. Et le cardinal, pardon, l'évêque, a dénoncé. Il était en Allemagne, il a vu que, il a vu, il était en Allemagne, il a vu le Congo avait quatre états. La carte du Congo, en quatre états. Mm. L'évêque a vu. Il a fait le à Oubouni. À... Les cardinales, ils le sais. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on chasser les Rwandais, qui sont utilisés par le nationale, sans faire la guerre c'est une illusion. Mais en tant que prêtre, on ne peut pas vous dire allez faire la guerre. Non. Mais on ne fait nous pas la guerre. On n'attaque pas les Rwandais. Nous devons récupérer nos territoires. qui sont occupés par les Rwandais avec les multinationales qui continuent à piller. Ça, c'est le travail des intellectuels, c'est le travail des journalistes, le travail des hommes politiques congolais. Récupérer nos territoires, par quelle, Et par quelle manière ou par quelle stratégie Mais Il n'y a que la guerre, vous ne comprenez pas. Vous avez peur de la guerre, pourquoi Parce On a une culture d'esclaves. Une culture de soumission. On ne peut pas être libre si vous ne faites pas la guerre. Lisez l'histoire de l'Amérique. Ceux qui viennent vous dire ne faites pas la guerre, ils négocient. Lisez l'histoire des Américains. Ils se sont battus pour être libres et indépendants. Mais le chef de l'État, à la fin de sa campagne, euh, il a promis aux Congolais, au terrain Saint-Thérèse de, Saint de Ndjili, il a promis et que si à moindre escarmouche il va réunir le Parlement en Congrès pour déclarer la guerre, est-ce que le moment est venu ou soit le moment n'est pas encore venu? Je peux vous dire que le chef d'État est déterminé, parce que c'est la seule personne qui est informé. Il a tous les renseignements. Il sait où on part. Quand il parle là, il sait ce qu'il dit. Le drame, c'est de voir que notre élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Les chefs parlent, mais je ne comprends pas. Moi, je demande aujourd'hui au peuple congolais, ceux qui sont conscients, ceux qui ont le sens de l'histoire, de s'organiser pour nous battre du côté des chefs. Les chefs ont une volonté très claire. Mais comme la plupart de nos élites sont entrées en politique grâce à Kagame museveni, voilà pourquoi cette classe politique ne veut pas s'engager. Donc, il faudrait que le peuple congolais. Prenez... Oui, je demande au peuple congolais de prendre conscience, de s'organiser et de se mettre derrière les chefs de l'État. Quand il vous dit clairement, faut faire la guerre, ce n'est pas euh, faire plaisir. C'est ce qu'il dit. Tout peuple qui ne s'est pas battu pour son indépendance finit par être esclave et colonisé par d'autres peuples. Nous sommes dans ce processus-là. Celui qui vient parler de la paix aujourd'hui n'est pas le sens de l'histoire. Mais Monsieur Freddy Moulumba, jadis, euh, vous avez relevé que les autorités, les, les, les hommes politiques euh, prenaient des postes chez l'agresseur Paul Kagame. Aujourd'hui, lorsque Paul Kagame se voit ses intérêts n'est plus, parce que nous savons clairement que Paul Kagame est nommé des ministres, nommé des gens qui venaient, euh, des, no, des nominations qui venaient de l'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, tout cela est tombé. Est-ce que ce n'est pas aussi... Bon, ce ne sont pas ces choses-là qui, aujourd'hui, mettent à mal pour Kagame. Non, non, Kagame, c'est fini. Il faut conjuguer au passé. Ce qu'il faut dire ici que les est que le président Tshisek vient d'accepter le leadership de l'Afrique centrale. Vous savez, le Rwanda, tout comme l'Ouganda, n'ont pas les éléments de puissance pour être euh, euh, des de pays puissants, pour être une puissance moyenne. Le Congo a tous les éléments. Nous avons l'eau, donc les richesses naturelles, les ressources naturelles. Nous avons la population, 100 millions d'habitants. Nous avons la géographie. Et ce qui nous manque, il nous manque des choses. D'abord, au niveau de la classe politique. Notre classe politique n'a pas la volonté de puissance. Notre, notre classe politique n'a pas les ambitions de grandeur. C'est quand vous avez cette classe politique qui a ambition de, donc ambition de grandeur et volonté de puissance, qu'un pays devient puissant. Peut-être compté parmi les grandes puissances. Donc, notre problème, c'est notre élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est ça, moi, j'ai dit il faut une nouvelle élite. Cette élite doit venir de la part des journalistes, de la part des intellectuels, de la part de, des hommes politiques, des jeunes gens qui veulent faire la politique, d'avoir cet esprit de grandeur. Je peux vous prendre, peut-être, vous n'étiez pas encore. Il était Mobutu. Je vous rappelle un peu ici que c'était les Haïrs. Tout à fait. On était les premiers. On a organisé la Coupe du Monde, pardon, la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont partis en Coupe du Monde en 1974. Et Mobutu avait déjà initié la, les recours d'authenticité. Partout où tu passais, on parlait du Congo, des aïeux. Donc, moi, ce que je demande à notre élite, à notre classe politique, c'est de se connecter à cet esprit grandeur pour renaître. Donc, nous sommes dans un processus de renaissance du Congo. Tout ce que Kagame et est venu faire, et font ça va s'arrêter un jour, mais nous avons notre destin, non? Amen. C'est à nous maintenant de faire patrimoine moyen pour récupérer. Et si aujourd'hui le Congo est stable, le Congo est puissant, c'est pour permettre à toute l'Afrique d'émerger. Donc les Africains nous regardent, n'attendent que le Congo. Vous allez voir à l'extérieur, à l'étranger, les débats sur le Congo c'est pas des Africains. Mais quand vous venez au Congo, nos médias n'en parlent même pas. Notre classe politique est ailleurs. Ça signifie que les vers et dans les fruits. Donc, la classe politique que Gamé a formée, pour la plupart, cette classe politique est présente. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Donc, il faut renouveler cette classe politique à travers les médias. Ça signifie que vous qui êtes journaliste, il faut d'abord sélectionner les informations. Quelles sont les informations qui sont les plus importantes Et vous cherchez des gens qui doivent exprimer notre population, à notre, à notre opinion, et créer une masse critique. Mais quand vous, journalistes, vous êtes dans des questions secondaires, oh, l'autre est rentré, gouverneur, ça c'est ce qu'on appelle la diversion. Ça c'est une diversion. Donc, avec le temps, ça fait Bunagana, on a déjà occupé, ça fait plus d'une année. Mais vous regardez les médias congolais, les gens sont ailleurs. Après, on ne comprend pas. Mais oui, parce, que, parce que, comme nous sommes en train de parler ainsi, il y a le, ces messages qui viennent de tomber, qui viennent d'être euh, envoyé ici. Il y a la société civile alerte sur l'entrée des militaires étrangers en République démocratique du Congo. Des éléments euh, de l'armée ougandaise, lourdement armés, sont entrés en masse sur les sols congolais en tra à travers à travers le territoire de Ruchuru en province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Il y, a au, il y a aussi la photo euh, qui est prise. Une nouvelle traversée des militaires rwandais signalée à Kaburanga. Donc, ce sont des signes qui montrent que la guerre aura bel et bien lieu. Mais cette guerre, on va la gagner. Je viens de vous dire, nous sommes 100 millions d'habitants. Comme le président a la volonté, on va mobiliser notre peuple. On gagnera cette guerre. Le Congo ne sera jamais recolonisé. L'Ouganda, tout comme le Rwanda, travaille pour les globalistes, pour les multinationales. Mais nous sommes un État. Est Mais est-ce que, est... est que, est que l'Ouganda aussi ne, ne nous échappe pas aussi non, L'Uganda, que... lui aussi, se comporte comme aussi agresseur de fond. Non, non, l'Ouganda n'est pas différent que des, 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 des de les parrains de l'Ouganda, du Rwanda. Ils sont les mêmes. Mais le problème, c'est nous. Pourquoi vous journalistes, pourquoi les journalistes, pourquoi la presse, RTNC, toutes les télévisions nationales, pourquoi on ne peut pas se mobiliser pour donner l'information au peuple congolais Je prends l'exemple de, 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 de Mali. Vous voyez les Maliens Burkina Faso, Nigeria, pardon Niger, je suis sur cette, cette télévision chaque jour. On parle de la guerre, du patriotisme. Vous venez au Congo, les gens sont ailleurs. Ça signifie que le verre est dans les fruits. Et je demande au peuple congolais de se réveiller rapidement. Il faut vite se réveiller. Sinon, nous serons esclaves des Rwandais et des autres et des, des Ougandais. Nous devons nous battre pour être libres, il ne faut pas avoir peur de la guerre. Heureusement que nous avons un chef de l'État qui est très clair. Nous allons faire cette guerre. Il y a la volonté. On négocie avec des hommes forts, avec, avec des faibles. C'est une leçon à donner à tous ces gens, ces jouisseurs qui passent tout le temps à discuter pour des petits postes. La guerre est à nos portes. Il faut se préparer préparer notre peuple, notre armée, nos médias pour accompagner les chefs de l'État. Donc, nous sommes dans un tournant historique. Et je répète, il faut être du bon côté de l'histoire. Sinon, vous serez jeté dans la poubelle. On connaît des dirigeants, des élites. Après leur mort, on n'en parle plus. Parce qu'ils n'ont pas marqué l'histoire de leur propre pays. Déjà déjà aujourd'hui, aujourd'hui la, la, la grande question est de savoir est-ce que ce n'est pas euh, du ping-pong que joue euh, Paul Kagame Parce que, après le message du chef de l'État, euh, Moindres Carmouche, aujourd'hui nous avons vu l'affaire des Moissot. Aujourd'hui, le chef de l'État a réuni euh, les corps euh, diplomatiques et il a dit à qui a ouvert, il n'y aura pas de négociation ni avec le Rwanda, ni avec le M23. Nous voyons ces contrats avec Tito. Oui, pour comprendre, je pense qu'il faut faire quand même un certain, un certain parallélisme. Vous voyez la Syrie. En 2012, la guerre avec la en Syrie. On disait que euh, c'était une révolte populaire. Hein? Il y a quelqu'un, donc euh, un écrivain français, Jean-Pierre Estival, qui a dit la tragédie syrienne révolte populaire ou complot international. On fait. a démontré aujourd'hui que la Syrie n'est pas syrienne. Le gouvernement syrien ne contrôle pas euh, d'autres... Euh, il parle territoires territoire. Et dans cette partie de territoire, vous avez du pétrole. Quand on fait la guerre contre le président Assad, Tout à fait. les multinationales, les pétroliers euh, euh, occidentaux sont dans le territoire où il y a du de, 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 il pétrole. Ils exploitent, ils vendent le pétrole. Tout à fait. Ça, c'est le cas de la Syrie. Donc, ça fait, ça fait combien de temps que euh, ce territoire échappe à l'État syrien, au gouvernement syrien 2012, nous sommes aujourd'hui, ça peut près euh, 10 ans. Tout à fait. Donc, pendant ces 10 ans-là, l'immigration occidentale exploite le pétrole qu'il vend sur le marché international. Et vous avez euh, la Libye, qui est maintenant coupée en trois États. Là, avec du pétrole, on exploite. Ce sont les multinationales occidentales qui vendent les pétroliers. Donc, nous sommes en Occident. Ils sont encore dans ce, dans, dans ce que j'ai pas appelé euh, le système capitaliste euh, prédateur. Peux, donc c'est pas moi qui, qui définis ça, mais donc, le concept, c'est Samir Amin. Euh, nous sommes dans un système d'accumulation par dépossession. On vient... On fait des guerres, on pille, on tue, on vole la matière première, on va vendre l'extérieur. Donc, ce qu'on appelle système capitaliste d'accumulation par des possessions. Pour nous, noirs, africains, on a congolais en particulier, on a connu l'esclavage, la tête négrière, la colonisation, la néocolonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce système est au bout. Les le, le circuit est arrivé à la fin. Le circuit est arrivé à la fin. Mais il y a maintenant un nouveau système qui est en train de mettre, de mettre en place. C'est l'accumulation par la science, la connaissance et le savoir. Mais est-ce que est ce que ce n'est pas, pas déjà un vrai système Je crédit... vais terminer. Oui. Cette accumulation aujourd'hui est incarnée par la Chine et la Corée du Sud. Ils n'ont pas fait de guerre. Ils n'ont pas pillé, mais ils sont très riches. C'est grâce à la science, et aux nouvelles technologies. Effectivement, oui. ils ont des matières premières. Et ils ont mis tout en place, et maintenant, aujourd'hui, la Chine commence à peser. Mais elle n'a pas fait de guerre, elle n'a pas colonisé. Voilà maintenant les nouveaux systèmes qui se mettent en place. Mais les gens qui signent des contrats avec Agamé, avec Mousséveni, sont encore dans cette vision de l'accumulation par des possessions, dans cette vision d'un capitalisme prédataire et prédateur. Mais, comme c'est arrivé à la fin, vous savez, quand un système arrive à la fin, il y a le chaos qui s'est créé. Et ce chaos est symbolisé par la guerre. Donc nous devons nous préparer, nous, là, tous les Congolais. Nous devons nous préparer pour faire la guerre. Cette guerre, ce n'est pas pour aller agresser les Rwandais et les autres. C'est pour récupérer nos matières premières, nos richesses, pour de notre peuple, pour avoir notre liberté. Donc c'est une indépendance économique actuellement. Et nous avons tous les éléments. Et nous avons la chance de gagner. Ceux qui ne comprennent pas que, ne comprennent pas qu'on va gagner. payeront cher. Et quels sont, sont les dessous des cartes de ces contrats que eh, Kagame signe avec euh, cette entreprise, parce que nous savons déjà que la République démocratique du Congo euh, contient euh, à 80% le minéré stratégique que le monde cherche. C'est la République démocratique du Congo. Mais cette société signe ces contrats avec le Rwanda. Or, nous connaissons que le Rwanda euh, ne possède pas le minéré qu'il est en train de chercher chez le Rwanda. Quels sont les dessous des cartes non, En fait, les gens font déjà des calculs. Euh, je veux dire, à, à court et moyen terme. Non, à long, à court et long terme. Dans le sens que, comme la, la, la crise a duré plus de 20 ans, les Kagame avec ses amis sont installés là où il y a des minerais stratégiques. L'émission nationale de Rio Tinto est partie signer déjà le contrat en pensant que, au bout du processus, Kagame va prendre cette terre-là. Ça, les calculs. ça ne peut pas s'expliquer. Un pays. Qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de minéraux, vous allez signer un contrat avec lui. Donc, ça signifie qu'il y a d'autres calculs qui sont déjà euh, faits. Maintenant, le problème, c'est nous. T Rio Tinto a signé avec, euh, avec Kagame. Est-ce que vous avez vu à Kinshasa cette classe politique parler Personne c'est une information aujourd'hui que nous nous relevons, c'est là, parce que beaucoup de médias n'en parlent pas. Mais les pas médias, les hommes politiques, ils sont ailleurs. Ils sont, sont ailleurs, en sont en ailleurs ils sont dans des, des vous, postes qu'ils envisagent. Vous n'avez pas une classe politique, vous avez, vous avez des mercenaires. C'est la réalité. Nous allons passer par une guerre patriotique, qu'on l'éveille ou non. L'avez fait ainsi. Et je demande au peuple de ne pas avoir peur. La guerre patriotique va nous libérer. Je prends l'exemple l'Angola. L'Angola, avant l'indépendance, il y a eu l'affrontement entre Savimbi, Inita et MPLA. Ils ont fait la guerre pendant longtemps. Grâce à Fidel Castro, l'Angola a gagné. Si vous partez en Angola aujourd'hui, vous avez des élites fortes. Donc la guerre, quelque chose, c'est une bonne chose. Ça permet la transformation de la société, ça donne aussi un certain caractère, un certain comportement aux élites. L'élite angolaise est solide, parce que cette élite a fait la guerre. Notre élite est faible parce que n'a jamais fait la guerre. Si nous gagnons la guerre à l'est du Congo, vous aurez des élites solides au pouvoir. Mais pour le moment, ce sont des peureux qui pensent que mieux vous négocier. quand on va négocier, on aura des petits postes pour vivre. Or, oh, le Congo, c'est une puissance. C'est un pays puissant. Le Congo, c'est l'avenir de l'Afrique. Si le Congo devient puissant, le trafic va se développer. Mais la plupart de nos élites qui sont entrées en politique grâce à Kagame, et Mousséveni ont difficile à s'exprimer. Voilà pourquoi il y a un vide à Kishasu. Et les présidents parlent, personne ne les reprend. Donc moi je demande à notre peuple, aux jeunes gens, de ne plus accepter de devenir des esclaves des autres. Je demande à notre peuple, aux journalistes, de faire leur travail, d'informer notre peuple. De prendre l'exemple du Mali, prendre l'exemple de la télévision malienne, télévision burkinabé, télévision euh, nigérienne, de faire la mobilisation du peuple, parce que la guerre va bientôt commencer. C'est bien de prier, mais il faut prier d'un côté avoir la Bible, de l'autre côté avoir une arme. Si ça ne marche pas, si ça marche, la Bible est là. C'est l'amour c'est la paix. Si ça ne marche pas, vous sautez l'arme. Vous défendez. On n'a pas d'autre choix. La vie est faite ainsi. Nous sommes dans un monde très violent. Tout est question des rapports de force. Qu'on ne soit pas naïf. Et nous, on n'a pas encore intégré cette dimension dans notre imaginaire. Vous êtes chez vous, quelqu'un vient, hein, Kagame vient, il dit non, non, ça notaire, et puis on vous demande d'aller négocier. C'est pour devenir esclave Est-ce que vous pouvez vous imaginer 7 millions de Congolais, on va les mettre où Voilà l'importance d'une élite une élite patriotique, une élite vigilante. j'ai confiance en notre peuple. J'ai confiance en, au, au, aux jeunes gens. Ils ont montré de quoi ils sont capables. Ouazalendo à, -à l'Est résiste. Mais il faut aussi, à Kishasa, qu'on cesse de danser et de boire et de manger. Il faut que la jeunesse prenne conscience, qu'on se prépare à une guerre patriotique, à une guerre, à une guerre de libération. La vie est faite ainsi. Si l'Angola n'était pas battue aujourd'hui, ce n'est pas indépendant et c'est un contrat un contrat diabolique contre la république démocratique du Congo. Ce n'est pas un contrat diabolique, je viens de vous dire ici que nous sommes dans un système capitaliste d'accumulation par des possessions. Ce système a commencé depuis 1495. Quand l'Europe a découvert l'Amérique, Christophe Colomb en traversant, il a décimé toutes les populations euh, aztèques ou bien ce qu'on appelle indiens, aztèques et Inca. Décimé Aujourd'hui, ces peuples sont dans des, dans des réserves. Alors que c'est chez eux. C'est pour que vous compreniez les systèmes capitalistes prédateurs. Les Européens partent en Amérique. Ils trouvent des populations. Ils les tuent. Ils, ils, ils prennent les matières, l'or, ils les ramènent. Et à la fin, on va prendre ces peuples, on les met dans des cages, dans, dans, des, dans des réserves. Alors que c'est chez eux. Le système capitaliste occidental prédateur n'a pas d'état d'âme. Nous devons aussi tirer les leçons de l'histoire, en commençant par l'esclavage, la terre négrière. Un peuple qui a été vendu. On a pris les, Cong les, les Noirs ici, en particulier les Congolais aussi. Nous avons a vendus en Amérique. Ces Noirs ont travaillé dans des, dans des plantations, des mines. Ils ont enrichi l'Europe. Et vous qui êtes africains, nous qui sommes africains, jusqu'aujourd'hui, jusqu au on n'a pas tiré aucune leçon. On pense que. On va nous laisser avec ces matières primaires comme ça Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Chilombo, vient avec le win -twin, win win-gagnant-gagnant. Est-ce que ce n'est pas déjà la défaite de l'Occident Non, il ne faut pas parler de euh, la défaite de l'Occident. Je pense qu'il y a Emmanuel Todd qui vient de publier euh, ce, son ouvrage cette année, La défaite de l'Occident. Il démontre qu'en Occident, les gens, euh, la pensée n'est plus encore démise. Donc, on ne peut pas dire la rationalité. Euh, ils sont dans. Ce qui compte beaucoup plus à l'Occident, c'est l'argent. Mais on ne voit pas les choses à long terme. Donc, moi, je dirais que ça fait partie de l'histoire des peuples. Il faut se mesurer par rapport au défi. C'est là où on sait savoir qu'il y a un peuple qui existe. Vous connaissez, euh, je viens de vous parler des Kurdes ici. C'est un grand peuple. Mais ces pays, les Kurdes aujourd'hui, n'ont même pas un État. Je peux vous parler aussi des Palestiniens. Ils n'ont pas d'État. Les États se construisent sur base de guerre. Les peuples ne sont pas capables de se défendre leur territoire. Ils seront des peuples errants. Et qu'on fasse attention. Que les gens qui racontent l'histoire n'ont pas. pas de sens d'histoire. De Je demande déjà qu'ils lisent l'histoire du monde, comment ça évolue. Et malheureusement, notre élite a peur. Notre élite euh, est dans la jouissance. Mais ce sont jeunes gens, aux jeunes élites, la jeunesse. De prendre conscience maintenant. Que ce parce que d'ici 20-30 ans, nous allons passer. Et les pays, sont dans les mains de qui? Si vous n'êtes pas préparé, vous allez le regretter. Voilà. Déjà pour terminer, pour terminer, aujourd'hui en République démocratique du Congo, peut-on parler de la révolte populaire ou soit du complot international? Oui, chez nous, il euh, y a un complot. Nous avons publié un ouvrage sur. Euh, le complot, euh, la bagarration de l'imposition de l'RDC en 2013. Tout est mis en place que le Congo disparaisse. Je viens de vous parler ici de l'évêque de, de Bougna. Je pense que Monseigneur, il euh, donné Irindi. Il est parti en Allemagne. Il a vu la carte du Congo entre quatre États. Il est venu là parler. Vous avez vu les hommes politiques reprendre ça Savoir que cette guerre qui est à l'Est. C'est pour qu'on détache les deux Kivu, qu'on annexe au Rwanda, et dès qu'on annexe les deux Kivu au Rwanda, les Congolais place Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients? Donc le problème maintenant, moi je, je, lance un, un grand, je lance un appel au peuple congolais. C'est à la jeunesse. Mobilisez vous, préparez vous à une guerre patriotique. Et je rappelle les propos de M. Laurent Zeré Kabila ici, que le président a repris. Ne jamais trahir le Congo. La guerre sera longue et populaire. Il faut se préparer. La guerre sera longue et populaire. C'est par ici que nous allons terminer cette émission. Mais comme euh, la, la coutume, hein, nous oblige à Congolais Télévision, on termine toujours euh, euh, l'émission par. Euh, on appelle ça Kinshasa et De l'autre côté, à Congo-Badaville, on appelle ça congo sa Nous allons terminer. Monsieur Frédéric Moulumba, moi, je veux montrer aux téléspectateurs cette photo. Voilà. Et je veux vous montrer cette personnalité politique. Or, quel souvenir est que... que vous gardez du sphinx de l'humité, le docteur Étienne Tshisekedi du Moulumba, sept ans après sa mort. Vous savez, euh, on a eu la chance d'accéder à certaines informations. Il y a deux événements importants qui doivent marquer euh, la mémoire politique de notre peuple du Congo. Etienne Tshisekedi était Premier ministre. Mobutu l'avait chassé. La guerre a commencé à l'est du Congo avec Afdel mené par Laurent-Désiré Kabila. Kabila avance jusqu'à Kisangani. Pour les Rwandais, et les Ougandais, et les Occidentaux, il fallait rester à Kisangani, comme ça on coupe l'Est qui est beaucoup plus riche, on l'annexe au Kivu. C'était ça les calculs. Ils arrivent à Kisangani, Mouzé comprenant les, en les enjeux, il a amené les gens au stade, il a posé la question. On se limite ici, ils disent non, ça. C'est comme ça que Mouzé est arrivé. À Au même moment, les troupes américaines, françaises et belges étaient installées à, à Brazzaville pour arriver pour, 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 euh, traverser euh, vers donc sur Kishasa. On est parti voir Étienne euh, Tshisekedi tu par euh, les Occidentaux pour qu'ils prennent les pouvoirs à se déclarant président. Étienne, ce tu sais, que dit les moi, je ne peux pas prendre le pouvoir par la force. Moi, c'est la démocratie. Il a refusé. Imaginez-vous si Kabila Mouze était arrêté avec l'Afdel à, la à Ghisangani. Imaginez-vous si Eten euh, Tshisekedi avait accepté euh, l'offre de, de prendre le pouvoir par, euh, le coup, par, par la force, c'est proclamé proclamer président. Avec l'accord des armées américaines, françaises et belges, le Congo serait où Donc, on allait avoir deux Congos. Un Congo avec Kabila Mouze, un autre Congo avec Étienne avec Tshisekedi. Donc, ce sont des éléments d'histoire difficiles à expliquer. Comment les deux personnes ont réagi de cette manière-là Si Étienne euh, avait accepté, le Congo allait disparaître. Donc, ce sont des faits de, de l'histoire qu'il faut raconter aux jeunes gens. L'homme a consacré toute sa vie pour la liberté et l'indépendance de ce pays. Sinon, il pouvait faire comme les autres, négocier, entrer au pouvoir, avoir des honneurs. Il a refusé. C'est aujourd'hui, tout ce qu'il a fait comme travail, c'est Félix qui l'incarne. Il faut que les gens Félix a été du côté de son père toute sa vie. Félix, avec son père, était relégué jusqu'au village. Quelqu'un qui vivait dans les meilleures conditions en ville. Il est là qui chasse ça. Il va se trouver au, au village, à Kabeka Mwanga, à Mupampa. Dans un coin, il n'y a ni eau ni électricité. Ils ont vécu. Il a vécu avec son père. Donc, il a toujours ces, ces images-là qui arrivent à la tête. C'est pour ça que moi, j'ai dit Félix va réaliser les rêves de son père, qu'on les veille ou non. Monsieur Freddy Mouloumaka, vous regardez et le docteur Étienne Tshisekedi, vous regardez Félix-Antoine Tshisekedi. Quel est le point commun entre les deux, les deux personnes c'est le discours. Il faut, il faut écouter un peu le discours de Félix. Hein. C'est le discours de son père. Mais les manières sont différentes. Son père était euh, quelqu'un qui a fait les droits. C'était pécassant. Mais lui, il a sa manière de travailler. Mais les fonds est les mêmes. Les fonds est les mêmes. Félix est déterminé de donner la liberté et l'indépendance au Congo. Comme son père. Mais son père disait... Euh, quand j'avance, je les déjà sont encore derrière. Hein, ils ne savent pas le suivre. J'ai utilisé encore un autre, euh, autre adage. Il parlait des balles de chauve. Il dit, c'est quand vous ferez longtemps, Donc, Là, vous êtes tous coiffés, vous avez rasé, il dit non, je suis chauve. Mais quand ça dure longtemps, là on verra qui est chauve, qui ne l'est pas. Donc, ça signifie les balles de chauve. Donc, si tu es, tu n'es pas un véritable opposant, avec le temps, tu vas changer. Donc, le temps joue toujours. Donc, Félix est dans les mêmes conditions. Nous sommes dans les balles de chauve. Vous allez voir combien vont changer de camp. Mais Félix tiendra les capes jusqu'au bout. C'est une chance exceptionnelle pour nous. Et quand il disait, l'idée de paix au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition, est-ce que c'est ça, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Non, quand on dit l'idée de paix au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition, ce n'est pas l'opposition politique. L'idée de va s'occuper du peuple. Le peuple d'abord. La véritable opposition, c'est la population. Ce ne sont pas les élites qui font du bruit à la télévision. C'est quand la population vit correctement, on peut euh, dire ça. Mais l'opposition doit exister au parlement, ce n'est pas dans la rue. Donc, euh, j'ai parlé des premiers cas où Étienne euh, avec euh, Moussa Kabila ont bloqué la, la première balkanisation, la tentative la, la, la première tentative de balkanisation. Mais il y a aussi autre chose. En 2011, Étienne est parti en Afrique du Sud. On lui a envoyé avion et argent. On lui a demandé de se mettre à la tête de l'opposition. Je ne vais pas citer les noms. Vous les connaissez tous, les opposants permanents. Étienne regarde. Il dit Mais Moi, j'ai combattu tous ces mobutistes, refusé. Etienne a fait la campagne en 2011 sans moyen. Et après l'élection, il y a eu des gens qui sont partis les voir à l'imiter. Ça nous a j'étais au potentiel on a amené des journalistes. RFI et d'autres médias ont commencé à raconter non, tu sais ce qu'il dit, euh, il va au stade faire un discours. Euh, un homme très. Quel est le sens de l'histoire. Il n'est pas sorti. Or, tout était fait. Ce jour-là, il sort. Les militaires, donc le régime de Kabila, avec lui, avec les militants, s'affrontent, il y a des morts. Le Congo allait imploser. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut avoir le sens de l'histoire. Les gens doivent beaucoup lire et comprendre ce qui nous arrive ici. Nous sommes dans un processus de libération, qu'on les veille ou non. L'Occident n'aura plus encore les monopoles sur votre pays. Il Merci. faut que les gens le sachent et qu'on se prépare pour créer un rapport de force et savoir négocier avec eux. C'est ça la vie. L'histoire est faite ainsi. Merci beaucoup, M. Freddy Mouloumba. Ok, je vous en prie.